so we can look at God's word together. Et je crois que vous aurez besoin aussi d'un stylo et un papier. And I believe you will even need to be able to take notes. Et j'aimerais vous encourager, après ce temps de prédication, on aura un temps de questions-réponses. After the preaching today, we will have a time for questions and answers. Donc, n'attendez pas la fin du culte pour nous envoyer vos questions. Please don't wait until the end of the service to send us your questions by chat. Et puis, après le temps de questions-réponses, on aura aussi un temps de prière. Nous aimerions prier pour vous. Following questions and answers, we will have a time of prayer because we really want to pray for you today. Donc, merci d'ouvrir le cœur et de partager avec nous vos sujets de prière. So be free to open up your heart and share with us your prayer subjects. En commençant, on va lire deux textes de la Bible. As we start today, we're going to read two passages from the Bible. Donc, je vous invite à trouver Malachi et chapitre 4. Starting with Malachi, chapter 4. Et après, on va lire Éphésiens, chapitre 2. And after that, we're going to be reading from Ephesians, chapter 2. Thank you for following along if you're reading in English. Malachi 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On va suivre avec Éphésiens 2, 9 à 10. Pardon, 19 à 20. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. A mother was preparing dinner in the kitchen when her 17-year-old daughter walked in very troubled. Il était une fois une maman qui préparait le dîner, et à ce moment-là, sa jeune fille de 17 ans est arrivée d'un air troublé. Her mother asked her what was wrong, and the daughter replied, la maman lui a posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Et la fille a répondu, I was rejected today by a boy who I really like. I found out that my best friend was gossiping about me, and I failed my math test in school. Maman, aujourd'hui j'ai été rejetée par un garçon que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai une copine qui a fait bavardage sur moi. Et ensuite, j'ai échoué mon examen de maths. And honestly, I don't know why I should keep on living. Je ne sais pas à quoi ça sert de vivre, franchement. The mother thought for a moment. La maman a réfléchi quelques instants. And she looked at the three pots of water that were boiling on the stove. Puis elle a regardé les trois casseroles qui étaient sur le four. And so in one, she put a potato. Il y avait de l'eau dans chaque casserole. Donc dans la première, elle a placé une pomme de terre. She put an egg in the second. Dans la deuxième, elle a placé un œuf. And in the third, she put some coffee beans. Et dans la troisième, elle a jeté quelques graines de café. After a few moments, the mother told her daughter to take the elements out of the boiling water and describe them. Au bout de quelques minutes, la maman a demandé à sa jeune fille de sortir les éléments de l'eau bouillante et décrire ce qu'elle voyait. The hard, rigid potato had become soft and mushy. Elle a constaté que la pomme de terre endurcie est devenue tout molle. The thin-shelled, fragile egg became all hard inside. Ensuite, elle a vu que l'œuf fragile est devenu dur après la cuisson. And the coffee beans, well, they had been transformed into a wonderful warm beverage. Finalement, elle a vu que les grains de café ont transformé l'eau bouillante en une boisson chaude. Confused by the lesson, the girl asked her mother what it all meant. Dans la confusion, la jeune fille a posé la question à sa maman, mais qu'est-ce que ça veut dire? And the mother said this. Et la maman a répondu, dear, we often don't have a choice of our circumstances. Ma chérie, souvent nous ne choisissons pas nos circonstances. And life sometimes is like boiling water. Et la vie peut ressembler à l'eau bouillante parfois. Those who are hard and rigid go through life circumstances and often become soft and mushy. Ceux qui sont endurcis peuvent passer par la vie et terminer toute molle. Those who are fragile often become hard on the inside.
Et ceux qui sont fragiles deviennent parfois endurcis à l'intérieur. But only a few allow themselves to be transformed into something that others will enjoy. Mais seulement quelques personnes se permettent à être transformées par la vie à quelque chose que d'autres peuvent apprécier. The mother looked at her daughter and with compassion asked her this. La maman a regardé sa fille et avec beaucoup de compassion, elle lui a demandé. Which one of these will you decide to become? Ma fille, lequel entre ces trois choix décideras-tu à devenir? Let's pray. Prions ensemble. Father, we thank you for the power of your word today. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. And though none of us have great choices regarding COVID-19, nous n'avons pas le choix concernant les circonstances de COVID-19. And all of the consequences of government's decisions. Et toutes les conséquences des décisions du gouvernement. Father, this may be for many people watching this morning a time of boiling water. Peut-être pour plusieurs qui sont connectés aujourd'hui, c'est un temps où l'eau est vraiment bouillante. Churches around the globe are suffering. Nous constatons que les églises du monde entier souffrent. Many are not able to pay their salaries. Plusieurs ne sont même pas capables de payer leurs salaires. They're not able to pay the mortgage or the rent on their buildings. Ou les remboursements ou des locations de salles. They don't know where the sheep have gone. Et les églises ne savent même pas où sont parties les brebis. This is a time of boiling water for your church. C'est comme une période d'eau bouillante pour ton église. And yet Seigneur. We believe that in this time you want to transform us. Pourtant, Seigneur, nous croyons que dans cette période tu veux nous transformer. And make us something that the world is longing for. Et tu veux faire de nous un peuple que le monde cherche et and désire. And so we ask you now in the mighty name of Yeshua. Alors nous te demandons dans le nom that you would grant to us the spirit of wisdom and revelation. Que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation. In all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. We pray this in the matchless name of the Lord Jesus Christ. Et nous prions cela dans le nom incomparable du Seigneur Jésus Christ. Everybody said amen. Et tout le monde a dit amen. As was mentioned in the announcements, I'm on Tuesday nights. I'm going through the first letter of Paul to Timothy. Comme vous avez entendu dans les annonces, les mardis soirs, je fais une étude profonde dans la première lettre de Paul à Timothée. God has revealed to me so many things regarding the apostolic church. En fait, Dieu m'a révélé beaucoup de choses concernant l'Église apostolique. And my title this morning is The Apostolic Church Emerging. Alors, le titre que j'ai choisi pour mon message ce matin, c'est L'Église apostolique émergente. I believe with all of my heart that during these days of trials and tribulations, car je crois de tout mon cœur que pendant cette période d'épreuves, de tribulations, when many people are panicking, quand beaucoup de monde se met à paniquer, people are suffering, et souffrir, beloved, God is at work. Mais Dieu est malgré tout à l'œuvre. And he is doing everything to push his church into a season of transformation. Et il fait tout son possible pour pousser son église dans une saison de transformation. Now, I'm not going to take time this morning to repeat everything I'm teaching on Tuesday night. Je ne vais pas prendre de temps aujourd'hui de répéter tout ce que j'enseigne les mardis. If you're interested, connect at 8 o'clock Tuesday night. Mais si cela vous intéresse, connectez-vous ce mardi à 20h. On our YouTube channel, RKB Ministries. Sur la chaîne YouTube des Baxter, RKB Ministries, pardon. RKB Ministries. Voilà. Okay. Dur à dire en on français. YouTube. We got that right. Sur YouTube. Okay. But there is a huge difference between a church that is built on a pastoral foundation and a church built on an apostolic foundation. Mais il faut savoir qu'il y a une immense différence entre une église construite sur un fondement pastoral et une église construite sur un fondement apostolique. And most of what we judge as success pour les églises réussies are not built on an apostolic foundation. Ne sont pas construites sur un fondement apostolique. But rather on a pastoral foundation. Mais plutôt sur un fondement pastoral. In my study in Timothy, I found one truth to be completely, to be all over the place. Dans mon étude de Timothée, j'ai trouvé une vérité récurrente dans tous les passages. And that is the truth regarding a word that we're going to have a trouble
translating. Et c'est une vérité en fait qu'on aura du mal à traduire en français. All right, so I'm going to ask you to write it down in English first. Donc déjà, je vais vous donner le mot en anglais. All right, and then we'll try to translate it as best as possible. Et après, on va essayer de vous expliquer la signification. Okay, the word is headship. Donc le mot headship, H-E-A-D-S-H-I-P. Okay, head. Tête, head. And ship. Et ship qui fait un nom. Okay, think of the word leadership. Comme le mot leadership qu'on a emprunté de l'anglais. We have the word leader. Leader and avec the word ship. Ship. So leadership is the action of being a leader. On peut dire que leadership c'est l'action d'être leader. And in the same way, headship is the action of being the head. De la même manière, headship est en fait l'action d'être la tête. Now, in headship, there are two truths that are maintained in a very delicate balance of grace. Dans ce mot se trouvent deux vérités dans un équilibre très délicat. All right, the first truth is the truth of equality. La première, c'est la vérité de l'égalité. The second truth is the truth of order. Et la deuxième, c'est la vérité de l'ordre. And in all of God's creation, he established these two truths in a balance. En fait, dans toute la création de Dieu, c'est lui qui a établi ces deux vérités dans cet équilibre. And so you have on one side the truth of equality. D'un côté, la vérité de l'égalité. And on the other side, you have the truth of order. Et dans l'autre côté, la vérité de l'ordre. Now, equality exists throughout all of God's creation. Maintenant, l'égalité existe partout dans la création. You can de see Dieu. This in the plant kingdom. On voit cela dans les plantes. You can see this in the animal kingdom. La faune. For example, in Africa, the lion chases the gazelle. Par exemple, en Afrique, le lion va chasser la gazelle. All right, now the lion may eat the gazelle. Il est possible que le lion mange la gazelle. All right, but they are equal animals in the eyes of God. Mais aux yeux de Dieu, ce sont deux bêtes, deux animaux égaux aux yeux de Dieu. Now humanity is not equal to the animal kingdom. Maintenant, l'humanité n'est pas égale aux animaux. And this is so important. This goes very contrary to the teaching of evolution. C'est tellement important à saisir parce que c'est contradictoire à l'enseignement d'évolution. No animal was made in the image of God. Aucun animal est fait à l'image de Dieu. But man was made in the image of God. Mais c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu. And because he's made in the image of God, he has a higher value than the animals. Puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, il a plus de valeur que les animaux. As a matter of fact, the scriptures teach us that humanity has a higher value than even the angels in heaven. À vrai dire, les écritures nous enseignent que l'humanité a plus de valeur que même les anges au ciel. Now that means if you took every single man, woman, and child on the planet. Ce qui veut dire que si vous prenez tout homme, toute femme, tout enfant sur la planète. Regardless of what they look like on the outside. Quoi que ce soit leur apparence, regardless of their sex, leur genre, regardless of their education or their economic status, leur niveau d'éducation ou leur statut économique, every human being is equal in the eyes of God. Ça veut dire que tout être humain est égaux. Tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu. And any effort to distinguish value. Et tous les efforts pour distinguer une valeur entre les hommes. And to say that one human being has more value than another. Ou de dire qu'un être humain a plus de valeur qu'un autre. Beloved, that's a sin. C'est en fait un péché, mes bien-aimés. Amen. Let me hear you say amen at home. Vous dites amen à la maison aussi. Okay. But there's also divine order. Mais il y a aussi l'ordre divin. And in divine order, we are not equal. Mais dans l'ordre divin, tout le monde n'est pas égal. Okay. In other words, the Bible makes it very clear that God first created the man. La Bible est claire. Dieu a créé l'homme en premier. It doesn't mean that man has greater value. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a plus de valeur. It means simply that God is establishing order in the home. Cela veut dire simplement que Dieu lui-même établit son ordre divin dans Amen. La maison. Okay. So man was created first. Alors l'homme était créé en premier. Once again, not first in importance.
Et encore une fois, ce n'est pas, il n'est pas le premier en importance. He is first in order. Il est le premier en ordre. Okay? And throughout all of Scripture. Et à travers toutes les Écritures. Anytime you are more than one person. Chaque fois que vous voyez plus qu'une personne. There is always a spiritual order that's established. Il y a toujours un ordre spirituel établi par Dieu. And beloved, in any sort of a social context. Et cela est vrai dans n'importe quel contexte social aussi. There is always order. Il y a toujours l'ordre. Who would ever think of a football team? Qui imaginerait une équipe de foot? Without order. Sans l'ordre, n'est-ce pas? Who would ever think of a basketball team? Ou qui imaginerait une équipe de basket? Without some order. Sans l'ordre des joueurs. Who would ever think of a business, a company? Ou une entreprise. Without order. Sans ordre. Beloved, non. Order is absolutely required in our society. Mais bien aimé, l'ordre est nécessaire dans notre société. Simply because that is how God created us. Tout simplement parce que c'est Dieu qui nous a créés de cette manière. So when the Bible teaches us that God created the man first and then the woman. Alors, quand la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme en premier et ensuite la femme. He is not saying that the man has become some fiendish dictator. Il ne fait pas de l'homme un dictateur. He is not saying that the man is has more value. Il n'est pas en train de dire que l'homme a plus de valeur que la femme. It just simply says God established an order. Cela révèle tout simplement que Dieu lui-même Hallelujah. A établi l'ordre. In a family with numerous children, maintenant, dans une famille avec beaucoup d'enfants, this is one of the first things that parents do. C'est une des premières choses que font les parents. The eldest has responsibility for the next one. L'aîné a une certaine responsabilité pour le deuxième. Amen. N'est-ce pas? It is the natural order of things. Parce que c'est l'ordre naturel. And then if the third one comes along, et après, quand le troisième enfant then the parents arrive, say to the first two, you both have responsibility for the next les one. Les parents diront aux deux premiers, vous avez la responsabilité pour and le so troisième. On, and so et ainsi and de so suite. On. And in this way too, the man has responsibility for his wife. Donc, de cette manière-là, l'homme a une responsabilité pour son épouse. Christ has responsibility for the man. Et Christ a une responsabilité pour l'homme. And God has responsibility for Christ. Et Dieu le Père a la responsabilité de son fils, Jésus. And this is the Jésus. Basic teaching that you will find in 1 Corinthians chapter 11. C'est en fait un résumé de l'enseignement que vous trouverez dans 1 Corinthiens chapitre 11. Now let me ask you a question. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. What do you have when you look at a family? Qu'est-ce que vous avez quand vous regardez une famille? And the man, the husband and the father is not fulfilling his divine role. Et vous constatez que l'homme, le père et le mari n'accomplit pas son he rôle divin. He sits on the couch all day long. Par exemple, il est allongé sur le canapé toute la journée. Drinks terrible drinks. Et boit de l'alcool sans cesse. Eats terrible food. Il mange terriblement. Watches TV. Il regarde la télé sans cesse. Plays video games. Il joue à la console. And expects his wife to do everything for et him. Et il s'attend à ce que son épouse s'occupe de tout. Do you know what that is? Savez-vous ce que c'est? Do you know what the Bible calls that? Savez-vous ce que la Bible appelle? The Bible calls that an abomination. La Bible dit que c'est une abomination. The Bible says that if the man is not in his place, la Bible nous montre que si l'homme n'est pas à sa place, that he is denied the Christian faith. Il est en train de renier la foi chrétienne. And he is worse than an infidel. Il est pire qu'un infidèle. So ladies, before you ever marry anybody, alors écoutez-moi mes sœurs, avant de vous épouser qui que ce soit, you need to make sure that man is moving in his divine role as a man. Assurez-vous que cet homme agit selon son rôle divin. Because if he's not doing it before you get married, car si il ne le fait pas avant le mariage, he is not going to do it after you get married. Il va certainement pas le faire après le mariage. Amen. In other words, a man that's not in his divine role. D'autres termes, un homme qui n'est pas dans son rôle divin. He creates a family that is dysfunctional.
créer une famille qui est dysfonctionnelle. The woman is not able to be fully free and released in her divine graces. Et dans cette famille, la femme n'est pas pleinement libérée dans ses grâces. Et the ses dons. Children are not going to be are not going to grow in an environment that releases them into their divine graces. Et les enfants ne vont pas pouvoir grandir dans un environnement qui cultive leurs dons et leurs grâces. Simply because the man has abdicated his role. Tout simplement parce que l'homme a démissionné. The man was first. L'homme était créé en premier. And if what God established as first is not functioning, et si ce que Dieu a établi en premier ne fonctionne then pas, everything else is not in its rightful place. Tout ce qui suit ne va pas être à la bonne place. Okay, are you still with me? Vous êtes toujours là? Now, let me ask you another question. Laissez-moi vous poser une autre question. If this is true for human families, si c'est vrai pour des familles humaines, wouldn't this be true as well for God's family? N'est-ce pas aussi vrai pour la famille de Dieu? So, here's my second question. Alors, voici ma deuxième question pour vous aujourd'hui. What did God establish in his family first? Qu'est-ce que Dieu a établi dans sa famille en premier? Did God establish in his church first pastors? Est-ce que Dieu a établi en premier les pasteurs? Non. Non. Did God establish in his church first evangelists? Est-ce qu'il a établi premièrement les évangélistes? Non plus. Non plus. What did God actually establish in his church first? Qu'est-ce que Dieu a établi premièrement dans son église? All right, 1 Corinthians chapter 12, verse 28 says this. Nous voyons dans 1 Corinthiens 2, 28. God set in his ecclesia, in his church. Dieu a établi dans son église. First. D'abord. What? Quoi? Qu'est-ce qui est marqué? What is first in the church? Qu'est-ce que vous voyez en premier dans l'église? Apostles. Les apôtres. Second. Deuxième. He established the prophets. Les prophètes. Third. Troisième. Then he established the teachers. Les enseignants, les docteurs. After the teachers, et après les enseignants, he established the gifts of healings and miracles. Il a établi les dons de guérisons, des miracles. Most often associated with the ministry of the evangelist. Souvent associé d'ailleurs au ministère de l'évangéliste. Then he established helps and administrations. Ensuite, les aides, les administrations. Most often associated with administrators in the church. Souvent associé à ce rôle d'administrateur. And then he says the word gifts of tongues. Et ensuite, la diversité des langues. Which actually speaks to me of the priesthood of the believers. Ce qui me parle du sacerdoce de tous les croyants. Because all can speak in tongues. Parce que tous les croyants peuvent parler en langue. But what is first established in the church? Mais dans cette liste, qu'est-ce que vous voyez établi en premier dans l'église? Apostles. Les apôtres. What does the church lack today? Qu'est-ce que l'église d'aujourd'hui manque plus? What has the church been lacking really since the establishing of the Protestant Reformation? Et à vrai dire, qu'est-ce que l'église manque depuis la réforme? Do you realize, beloved, that for more than 500 years? Mais est-ce que vous vous rendez compte, mes bien-aimés, que pendant plus que 500 ans. As Protestants, we've allowed ourselves to build a church structure. En tant que protestants, nous nous sommes permis de construire des églises. That is built upon the teacher and the pastor. Avec des structures construites sur le docteur et le pasteur. That is not built on what God established first. C'est-à-dire pas construite sur ce que Dieu a établi en premier. So if a human family is out of order because there is no father. Alors. Si une famille humaine n'est pas dans l'ordre en raison du Père, couldn't we also say that a church is out of order if there is no apostle? N'est-ce pas possible que l'Église qui n'a pas d'ordre, c'est parce que cela manque de l'apôtre? Now I want to finish with our very first verse that we read this morning. Je voudrais revenir à notre tout premier verset lu ce matin au début. Malachi is the last promise in the Old Testament. Ceci est la dernière promesse de l'Ancien Testament. And the prophet of the Lord says this. Et le prophète du Seigneur dit ceci. That a day will come when God will send the spirit of Elijah. Le jour viendra où Dieu enverra l'esprit d'Élie. It will be before the great and terrible day of the Lord.
avant le grand jour terrible de l'Éternel. Which always speaks of divine judgment. Ce qui parle d'ailleurs du jugement divin. And what will the prophet Elijah do? Qu'est-ce que ce prophète Élie va en fait What's faire? He gonna do, Qu'est-ce qu'il va accomplir? Elijah. Very interesting. Très intéressant. And very intriguing. Et cela m'intrigue d'ailleurs. The prophet Elijah will come and will turn the heart of the father to the children and the heart of the children to the father. Le prophète viendra et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Now, beloved, I dreamed of being a father long before I ever dreamed of being a husband. Savez-vous quoi? J'ai rêvé d'être un père bien avant de rêver d'être un mari. And I do love my wife. Et j'aime bien mon épouse. Dearly, deeply. Mais je chéris mon épouse. But I... Just being a dad has always been a great joy for me. Mais être un papa était toujours une très grande joie. And now that I'm a grandfather, it's even a greater joy. Et c'est encore plus grand maintenant que je suis grand-père. Okay. And you know, I love holding my kids in my arms. J'aimais toujours porter mes enfants dans mes bras. And I love being affectionate with my children. J'aime montrer l'affection envers mes enfants. And I have preached Malachi chapter 4 verses 4 and 5 for many years. Il m'est déjà arrivé de prêcher sur Malachie 4 ces versets-là depuis plusieurs années. But to me, this was a sense of restoring the heart of the father to those who didn't have an emotional father. Jusque-là, j'avais compris que Dieu restaurait le cœur du père pour ceux qui n'avaient pas vraiment un père émotionnel. Seeing the heart of the orphan healed and restored. D'autres termes, voir le cœur des orphelins guéri et restauré. But beloved, I believe Malachi was talking about something much greater than just the emotional side of restoration. Mais mes bien-aimés, maintenant je crois que Malachi parlait de quelque chose encore plus grande que la restauration émotionnelle. I believe Malachi saw a time. Je crois que le prophète a vu When la the période. Earth would see the disappearing of the man. Le temps où la terre verrait la disparition de l'homme. Where the world would see the disappearing of the role of a true father. La période où le monde verrait la disparition du rôle d'un vrai père. A true husband. Ou un vrai mari. A true head. Une vraie tête. And I believe even Malachi saw a time in the church Et je crois que Malachi a même vu dans cette période where there dans would be a disappearing of the true apostle. Où l'apôtre disparaîtrait. Now, what would be the consequence according to Malachi? Selon Malachi, quelle serait la conséquence de cette disparition? When the man disappears, Quand l'homme n'est plus là, when the head disappears, quand la tête, le chef there n'est is plus là, no longer the divine order on the earth. Il n'y a plus d'ordre divin what would happen sur la to the terre, earth? Mais qu'est-ce qui se passerait? God would come and strike the earth with a curse. Dieu viendrait et frapperait la terre avec une malédiction. Has there ever been a time prior to today? Est-ce que vous avez déjà constaté une période avant? When the entire planet was hit with a curse. Où la planète entière est frappée d'une malédiction. Since the time of Noah. Même depuis l'époque de Noé. I don't think there's been a time like the time we are living in right now. Je ne pense pas que la Terre a vu une époque comme celle-ci. Where the entire earth is under a curse. Où la planète entière est sous une malédiction. And beloved, could it be Mais bien-aimé, that God has decided in his infinite wisdom serait-il possible que Dieu a décidé dans sa sagesse to choose this time de choisir cette époque to bring about great transformation in the earth? Moment-là pour effectuer des énormes transformations dans, sur I la believe terre. This is the case. Je crois que c'est le cas, mes amis. I believe that the man that has been hidden for times is being revealed by the grace of God. Je crois que l'homme qui était caché pendant un temps est maintenant révélé. I believe the husband that has been hidden for such a time is being revealed in this time. Je crois que le mari qui est caché depuis un certain temps serait révélé maintenant. I believe that the father that has been hidden for a generation is in this time coming forth. Et je crois que le père qui est caché depuis une génération
émerge aujourd'hui. And I also believe that the head of the church, the apostle and the prophet, are also being revealed in this time. Et au même temps, la tête de l'église, les apôtres, les prophètes sont aussi. And it will all come to pass and be finalized. Et tout sera, s'accomplira. Before the great and terrible day of the Lord. Avant le jour de l'éternel. And so wherever you may be right now in your personal walk with Christ. Alors là, où vous vous situez dans votre parcours avec le Seigneur. I want to encourage you today. Je voudrais vous encourager. Take very seriously this work of grace of transformation. Prenez très sérieusement cette œuvre de grâce pour la transformation. And if you are a woman, si vous êtes femme, if you are married, si vous êtes mariée, and if your children have a father, si vos enfants ont un père, you need to be interceding for that man day and night. Il faut intercéder pour cet homme jour et nuit, mesdames. As my wife has done since the day she met me. Comme mon épouse fait depuis notre première Hallelujah. Rencontre. For this is a time, beloved. C'est le moment de le faire. God is restoring divine order. Dieu restaure l'ordre divin. You may be right now in a pot of boiling water. Peut-être à ce moment vous vous trouvez dans une casserole d'eau bouillante. You cannot choose the temperature. Et vous ne pourrez pas choisir la température. You can only choose what your nature will be. Vous pourrez seulement choisir ce qui sera votre nature. Will you go into that boiling water as somebody that's hard and rigid? Est-ce que vous entrez dans l'eau bouillante comme quelqu'un d'endurci et de rigide? And finally be crushed by the pressure of it all. Pour être à la fin écrasé par la pression. Will you go into this boiling pot of water as a fragile egg, so soft and weak on the inside? Est-ce que vous rentrez dans la casserole d'eau bouillante comme un œuf fragile et liquide à l'intérieur? And come out of this time all hard and bitter. Et sortir de cette période endurcie, amère? Or will you allow God to transform you during these times of difficulty? Ou est-ce que vous permettrez à Dieu de vous transformer pendant les périodes difficiles? And come out as something that is a blessing to the earth. Et sortir de l'autre côté comme quelque chose qui est une bénédiction pour la terre. Let's pray. Prions ensemble, frère. Father, we thank you for the grace that you're revealing in this time. Père, merci pour la grâce que tu es en train de révéler. And I pray for every one of my brothers and sisters. Je prie maintenant pour chacun de mes frères. That you would manifest your grace in their life right now. Tu manifestes ta grâce dans leur vie maintenant. Father, come and speak to them clearly. Père, viens parler à chacun. Lift up the heads and of those who are discouraged in this time. Viens relever les têtes de ceux qui sont découragés. I pray for those who have been dreaming of the emerging apostolic church. Je prie aujourd'hui pour ceux qui rêvent de l'église apostolique émergente. Father, that you would encourage their hearts today. Encourage leur cœur aujourd'hui. Heaven has heard their prayers. Le ciel a entendu leurs prières. And heaven is in the process of bringing about great transformation in the earth. Et le ciel est en train de produire une transformation sur la terre. And we give you thanks and praise for all of these things. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui nous te remercions. In the matchless name of the Lord Jesus Christ. Dans ce nom incomparable du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. And amen. Et amen.